Hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Aujourd'hui, nous allons acheter et rénover une maison. Et oui, ça faisait longtemps. On a terminé l'émission la semaine dernière, donc maintenant, on va s'attaquer aux maisons. Et la maison la moins chère pour l'instant, vous voyez, on en a quand même vendu 4. De 36, 36, 32 et 79 mètres carrés. La prochaine fait 78 mètres carrés. C'est, comment elle s'appelle? J'ai zoppé, retourne à la maison. La maison du connaisseur. Ah, la maison du connaisseur. Maison rénovée entièrement à un prix très avantageux. Répartition fonctionnelle des trois pièces, cuisine, salle de bain. Oui, alors, c'est très très beau. Oh, il y a des petites fleurs dans le jardin. Il y a le. Bon, bah, c'est parfait. Écoutez-moi, un coup de nettoyage et je la revends telle quelle. Hein. Pourquoi pas? Non? Vous croyez pas? Allez! On va l'acheter, on a un budget de façon de 224 000 euros, c'est juste énormissime. On va l'acheter au prix de 42 000 euros. Et après, on pourra faire la rénovation. Et on va y aller tout de suite, puisqu'on va aller nettoyer, débarrasser. Voilà la maison du connaisseur. Je vous laisse admirer l'environnement. Oh, il y a déjà des ordures, mais c'est magnifique. Allez, bouffe, bou, bou et bou. Regardez les petites fleurs, c'est trop mignon. Alors au moment où j'enregistre, évidemment, le DLC Garden n'est toujours pas sorti. Mais vous inquiétez pas, hein, dès qu'il sera sorti, je ferai l'épisode avec une mission jardin. Je pense que la porte d'entrée... Tadam! Ouh, un couloir comme je les aime pas. Ça aussi, c'est vendu. Ça aussi, c'est vendu. Ces genres de couloirs-là, moi, je les jarte, quoi. On perd de la place incroyable. Ouais, je voudrais te vendre. Voilà, merci. Toi. Oh, punaise! Là là, mon Dieu! Le miroir, on vend. Ah, oh. Mais par contre, il y a deux chambres. Il y a deux chambres. Attendez, je suis où? Il y a deux chambres. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de garder exactement l'emplacement des chambres ici et l'emplacement de la salle de bain ici, et juste ouvrir le. Pardon, je m'en. Juste ouvrir le séjour. Et en plus, on gagnerait le couloir. Et ça ferait une. Ouais, peut-être que. Oh, regardez la minimap, j'avais pas regardé. Pff, toutes les saloperies. Super balai. Entre en action, super balai, multifonction. Ouais, on va déjà nettoyer ce qui est à proximité. Peut-être que je vais garder cet aménagement. C'est la dernière fois, j'avais tout refait. Hein. Je crois que c'était le même agencement, mais peut-être pas dans ce sens-là. Il y a moyen que j'avais fait à peu près le même agencement. Bon, allez, on va vendre. Nous allons vendre, 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 vendre. Tout ce que l'on peut, c'est vendre ou jeter de toute façon. Donc dès qu'on entend gling-gling, c'est des sous. Sinon, on jette. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Tac. Parce que oui, autant. Si je peux ne pas me casser les pieds à refaire les murs, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée pour l'instant. Voilà. Toutes les bouteilles. Je vous incite en commentaire à me dire combien de bouteilles il y avait. J'ai pas du tout compté. Tac, le vase. Paf, le chien. Paf, le chien. Quel désordre là! J'ai besoin d'une chambre et d'une selle. Comment ça? Sans lit, même un simple tapis peut donner du charme à une maison. Une maison sans chambre? C'est pas possible. Mais j'avais oublié qu'il y avait des acheteurs qui étaient dans tous leurs états. Dès qu'on faisait un truc. Vous voulez vendre une toile d'araignée? Une maison sans salle de bain? Il nous en faut au moins une. Pas de salle de bain? Non, c'est pas possible. Une seule salle de bain? Il te manque une case ou quoi? Mais les gens, vous voyez pas que je débarrasse toutes les merdes là? Vous voulez acheter une maison? Fallait vous l'acheter vous-même, hein? Alors, toujours aux autres à faire le plus gros du travail et vous, vous profitez. C'est quoi ça? On s'en fout. Oh, une étagère. Des ordures, hop, hop, tout part. Il y a tout qui part. Ah, mais ça, c'était nouveau, quoi. Hop, allez, les ordures, des bouteilles. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a.
Moi, je vends même les toiles d'araignée, hein. Oh là là, quel désordre ici! Là, ils me font rire, ces acheteurs. C'est pire que des rageux que sur YouTube, hein, vous voyez. Sauf que les rageux, eux, ils mettent que des pouces rouges. Ils commentent pas. Alors, ce qui est dommage en ce sens, parce que... Mince, j'ai vendu le radiateur, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je préférais qu'on me dise pourquoi ils aiment pas ce que je fais, plutôt que de mettre des pouces en bas. Mais bon, ça... C'est pas demain qu'on on saura, hein. On n'en peut pas. J'ai besoin d'un endroit pour ranger mes livres. Oui, bah écoute. Tu les rangeras par terre, comme tout le monde. Voilà! Ah, non, il y a ça. Quoi? En bon état, mais moi je vends tout. Ah, un carton. Et je crois que la maison est vide. Non, il y a encore des cartons ici. Quelle maison bien propre, tu trouves? Rien avec tes traces comme ça, tu trouves que c'est propre, toi. D'accord. Ah, il y a encore les abat-jour ici. Rien, ça ferait un beau, beau grand séjour. Et là, franchement, on respire quand même, hein. Sans toutes les saletés. Ils disent pas. Quoi? Une maison sans lampe? Ce n'est pas possible. Super balai magique. On va avoir besoin de plâtre. On va avoir besoin de peinture. On va besoin de nettoyer les fenêtres. Ouais. Est-ce que ici c'est bon? C'est nettoyé. On va nettoyer ici. Tac, 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 tac. Voilà. Les toiles d'araignée ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Hop, ici c'est propre. Voilà. Madame, elle pourra dire, mais non! Alors lui, il dit, les vieux, il dit, c'est très sale ici. Alors, je ne sais pas du tout si je vise un acheteur ou pas. Je me dis, peut-être faire une chambre parentale, comme d'hab, et une chambre bébé. Pourquoi pas, même si j'aime pas les bébés. Ça pourrait peut-être servir. Après, j'ai la grande famille là où ils sont 5. Il n'y aura pas assez de place. Pourquoi est-ce que ce désordre n'a pas été rangé? Bah parce que tu t'en es pas occupée, Germaine. Bah pourquoi je nettoie ici? Il n'y a plus de traces. Ici, il y en a pas mal. Ta 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 ta. Ouh, même le plafond. Parce que normalement, il y a un couple avec enfant aussi. C'est pour ça, je me dis à la limite. Mais bon, ça sert à rien de viser un seul mec parce que ça reste toujours complicado. Vu que j'avais voulu vendre au styliste et finalement, il n'a pas du tout apprécié ma maison et c'est pas lui qui l'avait acheté. Bon, après, on s'en fiche. Le jeu, c'est pas de remplir les exigences des acheteurs, mais de se faire un kiff en rénovant des maisons, en rendant quelque chose de propre et de joli. C'est ça le but du jeu, mes amis. Ah oui, dans le jardin, il y a des petits trucs noirs, ça doit être des ordures. Bah ouais, mais bon, j'ai déjà tout nettoyé. Enfin de l'ordre, je crois que c'est parfaitement propre. Oui, je pense aussi. Regardez. Non. J'essaye de me diriger. Ça. Ah, c'est des chardons. Ça, c'est des trucs que je pense qu'il faudra couper ou déraciner quand il y aura le DLC. Oh, j'ai trop hâte! Ça va faire du boulot en plus, mais ça va être bien. Bon, bah la maison est nettoyée. Ah non, il faut faire les vitres. Ah, je vous entends. Je vous ai entendu. Vous voulez que je nettoie les vitres avec vous? Eh oui, je vais les nettoyer, les vitres. Ah, oh, je l'aime pas ce truc. Il est trop lent. Il est trop lent. Et il prend. Je dois faire tellement. Vous savez pas le... La souris, je la fais aller énormément. Juste pour un tout petit bout. Voilà. Attendez, il y avait une bonne autre fenêtre. Hop, monte, s'il te plaît. Oui, parce que vous voyez que ma souris, elle est tout en haut de l'écran. En fait, je pense que je dois faire courir toute la largeur de mon écran et du vôtre. Juste pour faire ce petit encadrement de fenêtre. Donc je bouge la fenêtre beaucoup plus qu'il ne faudrait. Ok, ça c'est nettoyé. On va aller en face. C'est une grosse fenêtre en plus ici. Va en haut. Ah oui, ma souris, elle est là-haut. Ah, je vous le dis, en fait.
Je dois faire tout l'écran et même là, je suis obligée de repositionner la souris parce que c'est trop grand. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Ok. Oh, je déteste faire les fenêtres, vous avez aucune idée. Et puis après, je vais faire merder mon enregistrement à cause de leurs conneries là. Hop. Hop. Bon, ça c'est fait. Oh. Pourquoi il y a tant de fenêtres sur une maison? Pourquoi? Attendez, je reprends. Voilà. Et hop là. Et pourquoi c'est la maison du connaisseur? Honnêtement, je ne sais pas. Bah oui, mais ma souris, elle n'allait pas jusque-là. La maison du connaisseur, mais du connaisseur en quoi? Ça, on ne sait pas. Hop. Connaisseur en immobilier peut-être. Je ne sais point point. Regardez ça, la taille qu'on a. C'est bien, non? Je ferai le coin cuisine ici, par exemple. Et puis un grand salon. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ça c'est fait. Ah bah je les avais faites ici aussi. Non, j'ai fait toutes les fenêtres. Oui, j'ai fait toutes les fenêtres. Talali, l'air. Je vais prendre du plâtre. Et je vais faire le plâtre avec vous. Ah, rangé. Longue portée. Ouais, on va faire ça. Magasin. On va prendre du plâtre. Voilà. Acheter maintenant. Tac. Maintenant, tu peux plâtrer le trou. Ok. Là, il n'y en a pas besoin. Mais il y en a besoin ici. Voilà, la dernière fois, j'avais galéré à trouver comment ça fonctionnait, plâtre. Maintenant, c'est assez facile. Il faut absolument du plâtre. Oui, bah j'avais. Oui. Là. Parce que ce serait sur les murs mitoyens, ce serait pas moins grave. Enfin, mitoyen. Ok. C'est rapide pour mettre du plâtre, hein, quand même. Voyez ici, je vais le mettre quand même. Non, je vais pas le mettre parce que ceci, j'ai dans mon objectif de casser le mur. Après, on s'en fout, hein. Je peux en mettre, hein. C'est pas très très grave. Là, il y en a pas mal besoin. Cette maison sera un vrai petit cocon adorable par la suite. Sinon, si vous voulez que je fasse des maisons un peu à thème, de couleurs ou autres, des défis, mettez-moi les couleurs que vous voulez en commentaire. Genre une chambre rouge, une chambre verte, j'en sais rien. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me le mettre et puis je relèverai du moins le mieux que je peux les défis pour la prochaine maison à rénover. Autant en profiter. J'étais où? Ce que j'ai. Je me suis perdue. Ici, il n'y a pas besoin. Là. Ok, je crois que c'est pas mal. Je vais quand même prendre. Tac, je vais retourner. Non, ici c'est bon. Ici, elle a. Ah, je vais le faire juste pour le plaisir. Tac, 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 tac. Ici, c'est bon. Ouais. Ça craint.
Quand on voit la gueule des murs, qu'est-ce qu'ils ont dit les vieux? J'ai pas fait attention. Je pense qu'on est bien. On est pas mal. Ah, il fait beau dehors dans ce jeu. C'est tellement agréable. Ici, chez moi, là, il fait gris. En même temps, on est au mois de janvier. Mais ça donne pas envie. Alors que là, j'ai envie d'y aller courir dans la rue. Ouais, regardez, c'est vraiment américain avec la petite mailbox comme dans les Sims. Et puis c'est sympa, ça donne des idées pour des maisons dans les Sims toujours. Pourquoi pas? Petite maison starter, je vous présente la première chambre, la deuxième chambre, la salle de bain, le séjour cuisine. Bon, allez, juste pour le plaisir, comme dirait l'autre, on va casser les murs. Pour que vous puissiez voir, au moins. Ah, j'adore ça. Punaise, ça m'avait manqué. Ah, oh, oui. Ah, oh, oui. Ah, oh, oui. Ah, oh, oui. Quelle maison bien propre. Ouais. Il y a rien de... Une maison que je casse en plus. Tac, tac, tac. Ouais. Oh oui. Oh c'est beau. Ah, faut que je me rapproche. Ah oui. Ici c'est pas cassé. Ah oui, ce bruit. Cette puissance dans la massue. Ah oui. Oh oui, parfait. Oh, et ce bout là. Oh oui. Oh oui. Bon. Ah bah non, il faut casser encore tout ça. À moins que... Ah, j'ai une idée. Ah, ça fait du bien. Je m'étais dit, on pourrait supprimer ces murs-là qui sont au centre et faire juste des poteaux comme ça, voyez, mais tout au long. Pour faire comme s'il y avait une séparation. On a cassé les murs, mais on en garde un bout. Ah, ce bruit, sérieusement, c'est un kiff incroyable, hein. Ah, oh, oui. Ah, oh, oui. Ah, j'ai pas le droit de retaper. Oh. Un peu comme ça, vous voyez, ça ferait un... Attendez. L'entrée, elle est là. Voilà. Est-ce que ça... Non, ça coupe un peu quand même. Ça coupe un peu. Allez, on va tout casser. Bon, moi, je suis dans l'optique de tout casser. Ah, il y en a encore à casser. Il y en a encore à casser. Il y en a encore à casser. Attention. Ah oh, oui. Il reste quelques poubelles à jeter. Oh là là, quel désordre ici. Oh, ce bruit, mais je kiffe, moi. Et les petits bouts qui disparaissent. Celui-là, il reste. C'est juste pour mon plaisir, celui-là. Ah, merci. C'est gentil. Hop. Tous les vieux interrupteurs de mamie. Ah bah lui va rester là, d'accord, super. Ah c'est chiant, c'est buggé. Quelle maison bien propre. Ouais, t'as vu, hein, j'ai bien bossé. Hein. Voilà, là on voit l'ampleur du double séjour et tout. Ah non, il y a vachement de place. Hein. Ah, je trouve ça pas mal l'idée. L'idée qu'on garde les deux chambres, la salle de bain au même endroit. Et là, je fais quelque chose d'assez grand, assez spacieux. Cuisine, salle de bain. Alors est-ce qu'on met la cuisine ici? Et le salon là, ouais peut-être, mais je mets toujours le salon au même endroit, j'ai l'impression que j'avais mis le salon exactement par ici. J'avais séparé là comme ça, j'avais fait le couloir et les deux chambres. C'est exactement ce que j'avais fait. Je m'en souviens. Bah je suis pas contente alors, on va pas faire comme ça. Du coup, je vais pas faire le salon ici, je vais faire la cuisine ici. Na. C'est comme ça. Hop. Et puis bah pour l'instant, moi je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous laisse imaginer pendant quelques secondes ce qu'il adviendra de cette jolie maison. Et puis moi, en off, je vais la rénover. Oh non, je vous retrouve donc tout de suite. Et c'est au milieu de la nuit. En tout cas, au milieu de la nuit de House Flipper.
avec un environnement toujours aussi calme. Les voisins sont pas bruyants, hein, c'est assez sympa comme quartier. Y a personne qui passe dans la rue, ni voiture, ni gens, ni chien, ni chat. Y a rien, pas de rat, pas de serpent, rien. Et j'ai fini la petite maison. Elle me plaît pas mal. Elle me plaît pas mal. On va vous faire tout de suite la visite. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-le-moi, je veux vous entendre. Attention. Tada! Ta-tan-tan. Et oui, ça s'ouvre et ça s'éclaire sur tout. Et je me suis enfermée dehors et je re-rentre et je referme. Et oui, vous avez vu une couleur assez pitchy-pitchy, assez flashy. La couleur rose. Et regardez-moi ça! C'est magnifique. Nous avons donc dans l'entrée un espace avec un petit bureau où il n'y a pas d'ordinateur, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez lire, faire votre courrier, mettre un petit ordinateur, tout ça. La cuisine avec le ton rose, rouge, amarante. C'est plus rose en fait, là. C'est vrai que c'est plus rose. Bon, j'ai un peu galéré avec les meubles de cuisine parce que je trouvais rien qui rentrait dans ce que je voulais. Donc j'ai séparé en fait la partie plan de travail avec la cuisson et l'évier parce que c'est assez bizarre leur meuble. Il n'y a pas tout. Ou alors s'il y a tout, c'est assez bizarre. Enfin, voilà. Même si j'avais de l'espace, je pouvais pas faire trop de choses non plus. C'est assez bizarre comme conception. Avec un petit trou pour mettre le frigo, la petite poubelle, évidemment. Vous avez même de quoi manger, le micro-ondes, voilà, tout ça. J'ai mis comme il y avait ça, je me suis dit ça peut faire. On dirait que c'est fait pour en fait table haute, en fait, comme un comptoir. Donc j'ai mis deux chaises pour le petit déj, tout ça. Ça peut être pas mal. Ensuite, nous avons l'espace quand même salle à manger ici, avec des très beaux fauteuils, chaises. J'ai fait une espèce de dégradé comme ça, je trouve ça super beau pour passer de la couleur pétante à la couleur plus fadasse. Et bien ça se passe très bien. Et regardez, je l'ai même mis ici dans l'entrée avec le petit meuble à chaussures, voilà, la petite plante, un miroir. Et ça fait trop trop joli. Moi, perso, j'adore le dégradé. C'est un peu compliqué à faire parce que des fois, vu qu'on peint plusieurs panneaux à la fois, et ben, il veut pas prendre en compte un seul pan. Donc en fait, on repeint tout. Donc des fois, j'ai un peu galéré, mais bon. Et la partie salon, c'est pour ça que c'est assez pétant. C'est parce qu'en fait, j'avais mis ces canapés-là qui étaient d'une couleur. En fait, c'est un espèce de rouge. Là, ça paraît rose, mais normalement, c'est un peu plus rouge. Et c'est pour ça que j'ai fait cette couleur-là dans la cuisine, mais ça se marie super bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça se marie super bien. Donc, avec les deux canapés, on retrouve le petit dégradé ici pour qu'il fait rappel un peu avec là-bas et là-bas. Franchement, ça le fait. C'est trop joli. Je suis amoureuse. La télé, un des seuls cadres que j'ai trouvé. Bon, il y a du jaune, mais ça passe quand même au niveau des couleurs. Du coup, j'ai quasiment pas mis beaucoup de cadres, il y a celui-là aussi qui rappelait quand même la couleur, mais j'ai quasiment rien mis en cadre parce que les couleurs ne fonctionnent pas forcément avec ce que j'avais mis. Donc voilà, je vais vous montrer la table basse, bien sûr, avec oh, bon, on voit pas trop, mais la photo du petit chat comme d'habitude. Ah, oui, est-ce que je zoomais? J'avais l'habitude de zoomer, mais on zoome pas ici, on sort son balai. Voilà, et je vous avais dit que je gardais la même disposition des pièces, effectivement, c'est la même chose. Donc on va rentrer dans la salle de bain. La salle de bain est minuscule. Hein. J'ai absolument pas changé la disposition des éléments. Du coup, on entre, on bute dans les toilettes. C'est pas logique. En fait, j'aurais dû mettre les toilettes ici, par exemple, et le lavabo là. J'ai tout laissé. Franchement, j'ai remis comme c'était, avec le lave-linge en plus, le radiateur. Voilà. J'ai pas fait grand-chose. J'ai juste carrelé les murs, le sol. Voilà, ça c'est simple, blanc, quoi, avec un petit tapis, un petit panier à linge. Il y a un exceptionnel et une toile. Voilà. Il n'y a vraiment rien de spécial. Je me suis pas cassé la tête, en tout cas pour la salle de bain, pour une fois. On va rentrer dans la chambre principale. C'est les mêmes proportions qu'il y avait, hein. Il y a vraiment. Je me suis plus attardée sur la déco que sur réaménagement. Donc voilà la chambre. Elle est un peu sombre là parce qu'il fait nuit et puis les deux lampes finalement n'éclairent pas des masses. Avec le miroir, la plante, une penderie, un petit bureau encore une fois, et le lit. Alors là, voilà, j'ai refait une espèce de dégradé comme ça en tête de lit comme décoration, et ça le fait vachement bien. Je suis assez contente. Ah ouais, donc c'était bien allumé, parce qu'en fait, ça fait pas du tout la même couleur. C'est la même lampe, hein, mais ça fait pas la même couleur. C'est logique.
Voilà, vous voyez, j'ai pas mis de déco parce que pour moi, il n'y a pas de cadre qui rentrait dans ma décoration. La couleur du mur, c'est un espèce de bleu cobalt, un truc comme ça, c'est assez foncé. Et du coup, c'est bleu et blanc dans la chambre. Voilà, la chambre parentale est faite. C'est un parti pris aussi, la couleur des portes. Je suis pas très très sûre, mais bon, ça se marie avec la. C'est ce qui se mariait le mieux avec la couleur des meubles de la cuisine et tout ça. Enfin, j'ai essayé de marier le mieux possible les couleurs des portes et des meubles. C'était pas forcément évident. Et la dernière porte, c'est une chambre de bébé. Je vous avais dit que je le ferais sûrement. La dernière fois, j'avais fait chambre d'enfant. Là, c'est chambre de bébé. Vous voyez, il y a quand même plein de trucs. J'ai essayé de refaire un espèce de dégradé ici. C'est pas très très réussi. J'ai galéré, hein. J'ai voulu en faire un dans le coin là. En fait, j'ai pas vraiment réussi. Donc, j'ai juste laissé ce coin ici. Enfin, ce mur-là. J'ai foutu du orange, du vert et du jaune. Ça fait un peu coloré, voilà. Je voulais que ça, qu'il y ait plusieurs couleurs pour l'enfant. Ça résume un peu la gaieté, la joie de vivre du bébé. Il y a un super tapis avec plein de petits jeux comme ça, machin, des peluches, la petite commode pour ses petites culottes, la table allongée et son lit avec des peluches à l'intérieur. Voilà. Et le lustre, c'est le lustre hyper coloré comme ça, hyper flashy aussi, qui me détruit les yeux. Voilà pour cette petite chambrette, chambre d'enfant de 10 mètres carrés. Ah, mais d'accord, en fait, ils ont fait séjour avec kitchenette. C'est quand même pas une kitchenette, hein, gars. Ça reste quand même une grande 50 mètres carrés. Vous voyez, tout ça là, c'est beaucoup plus grand que tout mon appart. La détresse. Et dans cette chambre-là, j'avais même pas fait 15 mètres carrés. Ah, elle fait plus petite que ça, hein. Bon, il y a quand même de la place que j'ai pu mettre. Un bureau en plus. Voilà pour cette maison. Et je la trouve vraiment très belle. Et je redis encore une fois, mais l'espèce de dégradé là. J'adore. Ce que j'en ai fait dans le salon et dans la chambre parentale, j'adore. Donc on va fermer la porte et on va procéder à la vente de cette maison. C'est parti, mon kiki. Entrez. Donc, maison achetée pour 42 000 euros. 43 000 euros, on va dire. Terrain, on s'en fout. Surface de 78 mètres carrés, 4 chambres. Bon, 4 pièces surtout. Actuellement, j'ai 175 000 euros. Si seulement c'était vrai. Et le temps de travail passé dans cette maison est 3h37. Ah, mais je pensais que j'avais passé beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Honnêtement, j'ai mis du cœur et tout. Je me suis dit, punaise, j'ai l'impression que j'ai passé 24 heures dedans tellement j'ai été longtemps. En fait, je passe de moins en moins de temps dans mes maisons. Ce qui est pas plus mal. Allez, on va débuter la vente aux enchères. Georges, ça c'est le styliste, le fameux styliste. Vous voyez, j'ai ciblé personne. Grande chambre, top, je comprends pas à quoi me sert une cuisine. La télé dans le salon, c'est un plus. J'ai pas besoin d'autant de chambres. Je ne viens pas d'une autre planète, d'accord. J'en traître. Ça me plaît d'avoir un endroit où dormir. Je voudrais qu'il y ait une chambre dans ma maison, mais une seule. Je voulais qu'une chambre, tu sais pas compter, les cadres égayent les murs. Une chambre d'enfant, c'est le minimum. Les enfants ont besoin vraiment qu'une grande pièce à vivre. C'est vrai que 50 mètres carrés, c'est pas assez, hein. Pas assez de chambres. Il faut bien de la place pour nos futurs bambins, pas vrai. Mais t'en as même pas. 4 chambres et puis en avoir 4 personnes emménagées ici. Mais n'importe quoi. Il y a un beau séjour, il y a trop de chambres. Mais vous les papy-mamies, c'est pour vos petits-enfants. Une seule salle de bain, besoin d'une chambre, pas de deux. Le gagnant, c'est encore lui. Il déconne, hein. Oh là là, alors il veut l'acheter pour 92 000 euros et on aurait une plus-value, on gagnerait 48 000 euros. Une grande chambre, c'est un plus. Une telle atteinte à mon honneur et mon identité masculine, c'est impardonnable. Explique-moi encore à quoi ils sont censés servir ces jouets parce que je ne comprends pas. Le mec, une atteinte à ma masculinité. Oh mon Dieu. Je vais négocier un peu avec lui. 92 600. 92 600. Ce qu'on peut faire. Voilà, on va faire ça. Je suis sûr qu'il va accepter. Voilà. En fait, bah, c'est pour arrondir. 80, ça ferait 94 000 à peu près, quoi. Négociation. Donc en fait, j'ai gagné 50 000 euros. J'accepte. Et ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne négociation, c'est une bonne vente, je suis contente. Et la semaine prochaine, j'espère, hein, si j'ai le temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire la maison, si je m'y prends bien à l'avance, on devrait continuer l'aventure et acheter une future maison, peut-être encore plus grande, je ne sais pas encore ce qu'on fera.
En tout cas, moi, je vous embrasse. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner. Tout ça, à partager si vous avez envie. Et en tout cas, je vous donne je vous donne rendez-vous pour la suite de Oh Super dans cette semaine ou d'autres choses. Allez, ciao!